Salam alaikum, internautes tout sénégalais. Tay dama nek ak ay entrepreneur, ay journaliste. Té dinañ waxtaan bu am solo. Ñëpp xam nañ li fi xew ci semaine passée yi, dafa indi ay xalaat, dafa indi ay waxtaan mbiru ndaw yi pour ñu mëna dégënté, pour ñu mëna wax seen xalaat si lo xamantene yëpp da fay affecter dundu ndaw yi. Tay ma ngi ak Aminata Diouf, Pape Djibril Fall, Wolimata Sey ak Cheikh Omar Tala, ay ndaw Sénégal yo xamantene dañuy yëngu ci agriculture, ci médias, journalisme, ci sport, ci agro-industrie, ak ben ndaw bo xamantene dafa bok ci conseil municipal, nek spécialiste des questions du développement durable. Ñun ñëpp tay dinañ fi waxtaan question ou dem bi ak dig bi si ndaw ñi ak seni liggéey. Lan moy tolof yi tay, waye tamit lan moy pexé yi ñu mëna jappalé ndaw yi ñu am liggéey, ñu gën fonk sen bop, ñu gëna bëgg sen dëkk, ndaxte dinañ fa gis ay opportunités ñoo xamantene lañ jappalé ci sen jang, ci sen bok ak ci seni liggéey. Dina commencer jox kaddu bi Aminata Diouf bo xamantene entrepreneur Aminata Dominique Diouf, entrepreneur agricole, DG du domaine agricole de Nema. Mon domo agriculteur là, jangenam agriculture, defna fi lo xamantene ñep wax nañ ko xam parce que jigen ndaw jigen la, am motna ñep, motna mak, motna goor, motna ñep, defna fi lo xamantene mag yu bari defaguñu ko fi ci walum agriculture. Mom lañ jëk jox cadeau bi, malay laaj ci walum jang. Yow fi nga juddo, fi nga magge, lan moy ce parcours, lan mo def tay ñu gis la ni ku la xol du xalaat ne yow si tool yi nga nek ke baykat nga ku la xol dina ne ki xamna DG ben société bu mak la, hein, mais DG société bu mak nga, waye société bobu si walu mbey bi la nek. Mën nga ñu wax te tamit nga wax ñu yow si parcours njangu ndaw yi Sénégal, lan nga xalaat ne mo nek jafé yu gëna mak si yow li nga gis? Tout d'abord, je voulais remercier pour l'invitation. Je suis allé à l'agriculture. C'est grâce au président Thomas Sanka. Je suis en classe de 3e. Il y a une phrase qui m'a interpellée. Moi, produisons ce que nous mangeons au lieu d'importer. C'est normal que le pays qui vous donne à manger vous dicte ses lois. Wow. Les grains de maïs et de riz importés, c'est ça l'impérialisme. Que l'on l'a mis du Sénégal depuis 1960. Et il faut qu'on le dise aussi, jusqu'à présent, le Sénégal dépend de la France. France, mon humain, il faut qu'on voit la vérité en face. Lola. Vous m'avez qu'à la classe de 3e, livre de vie, Thomas Sankara, mais ces deux phrases-là, elles m'ont interpellé. Essayer de voir Thomas Sankara, ce qu'il veut dire, ci ginnaw ñaari phrases. Bu ma démé ma xam ko. La yew ben parce ne sans pas comme mom amone souf mais buru won. Mais nako ñi nek di rer, mais nako pap. Dama bëgg doon baykat. Mu xol ma ci sal ci fu mu doon lek ñi ko tok di rer. Et yalla daf bu ma nekké en classe de terminale. Un papa l'a dit, est-ce que l'agriculture est là? Et Yalla a fait madame inscrire dans une école du Canada, école de baykat là en fait. École de l'âge, je me suis note en classe de seconde, première, terminale, baccalauréat. Résultat, je me suis dit, l'école de l'âge, je me suis dit, je suis francophonie, je suis dit, je suis au Canada pendant 3 ans. Le résultat scolaire, c'est excellent. Pendant 3 ans, je venais de Canada. J'étais carrément dans la campagne québécoise, Fauflet Mossadi, dans le pays de Fauflet. Pendant 3 ans, agriculture, la jambe. Je me suis dit, au Canada, ça ne me tourne pas encore. Je me suis dit, de 2013 jusqu'à 2021, je suis allé à la banque, je suis allé à l'État. Peut-être pour créer entreprise, pour formaliser quoi, parce qu'on était
entreprise informelle. Mm-hmm. Maintenant, demain, si on est que demain, vous devez faire comme entreprise, je me dis, Canada, il faut me formaliser. Mm-hmm. C'est vrai que impôt d'une date ça m'a mais je dis que ça vaut la peine. Absolument. Qu'on est troisième, il y a un bac, il y a un médecin, un banquier, un agriculteur, il y a un peu de fou. Il y a un peu de temps au Sénégal. Pour le Sénégal, il y a un fond d'agriculture, il y a une agriculture, il y a une opportunité pour Django ou différents métiers d'agriculture. Déjà, il faut que vous mais il faut que vous vous il faut que vous tu dois être passionné. Nga xam lan moy mbay. Lo moy utilité bi. Et aussi pour l'avenir du pays. Su nekké da nga bëgg xaliss bo xamantene da ngay liggéey légui am ko. Jaru ngay dugg ci mbay parce que ça fonctionne pas comme ça. Il faut être patient. Il faut nga goré. Lo mo tax ñu dem baykat dafa gëm Yalla parce que ça demande énormément de patience. So amulé ngor ku jubo. Tu ne peux pas faire de l'agriculture. On sait toujours où ça se termine. Absolument. Absolument. Alors, si tu as envie de faire de l'agriculture, il faut que tu gores, que tu patient. C'est les deux choses-là. Pour se liguer, barquer, se raser. Tant que tu n'as pas ces quatre-là, ne rentre pas dans l'agriculture. Gore acte, l'homme est fait d'action. Gore acte, pour se raser, barquer. Merci beaucoup Aminata. Nous on bougonne dem légui ci Walimata parce que Walimata tamit mungi yengu ci agriculture bi mais agriculture bi mom dundou ko comme passion yow ning kay dundé. Mom lenen mo nekkone ay passion bu nekkone ndaw. Wayé dafa def comme ñun ñi yépp fi Sénégal jang am sa diplôme. Mu am diplôme am wayé amul liggéey. Amul liguey way dafa bugon liguey soxla liguey bu gis ay opportunité bi si ben domaine bo xamantene monon nako waye nekul won limu gënal bëgg mu jëm ko mu dem ci mu daanu mu gañu bobu laaj ko mu jogat dem jëm def lenen bobu moy agriculture bi yow tamit Walimata si walum sa jang lan la so mënon delu ginaaw té nga am doolé yow loy changer comme ça yow si sa yoonu jang liñ la joxul nga mënon ko am lan ngay choisir waaw ma ngi nuyu ñep déjà merci en effet si sama jang bima jangé ba am bac après dama dem France jangi def gestion logistique transport mais yégalé wumako pour des raisons familiales donc mi ñibissé def ESP banque finance assurance donc may top sama tanku papa parce que mom assurance la mussa def donc bima paré def na fi stage ci société assurance ici logistique et tout mais da ngay def ay stage enchaîner un stage, jamais nous embaucher là. Donc du coup, comme au bout d'un moment, je suis dans le football à côté, bien que nous soyons une priorité, mais quand même, on a quelques compétences, mais qu'on a international et tout, je ne sais pas exploiter la piste. Donc c'est là, je suis en France, pour tenter ça ma chance, c'est une équipe de première division d'ailleurs, mais de manière que c'est vrai, malheureusement, je gagne au genou. Donc du coup, lors du freinement, je me suis traité pendant 2 ans, amatuma ben issue me retrouver aux situations ça administratives irrégulières ndax lolu donc ma galère fa galère yu metti et par la chance ma am accompagnement ben structure française ofi pour ma accompagner pour ma délu ci Sénégal entreprendre donc boy yagge all boy ñew Sénégal da ngay xol bon ban secteur mo upp potentialité bo xamné yow mën nga ci investir quoi donc si la orienté vers agrobusiness. Donc bima ñëwé ma dugg ci loolu ak l'accompagnement bima am financièrement et tout et donc
potentiel bi ci am moy di Aminata doon wax légui rek ken xamul nu mu tollu légui nak la plupart des jeunes ne sont pas informés xamuñu réalité yi am ci agriculture comme dañ koy jappé yefu baykat rek mais potentiel bi c'est énorme donc je pense que né man tay di ni j'ai été confronté au fait que may jang di football mënuma bolé ñaax yépp lolu daf ma taxdé lu bëri parce que au bout d'un moment da ngay obligé nga choisir soit jang bi wala football bi alors que su amone ay structure yi nga xamantene mettre na lolu en place nga mëna def sport étude en même temps don na gagné temps donc je pense que aujourd'hui tay mang ci benen projet bo xamné damay dox ci lolu sax pour mettre ça en place surtout pour les filles sax parce que goñ ni sax commencé nañ ko def mais si jigen ni amagu fi ay structure surtout si walu football sport étude ñu mëna accompagner la je pense que ay perspective la yo xamné jeune yi amuñu ko won té tay ji ni mu ngi gëna sax ci dëkk bi donc luñu wara avec lolu luñu wara encourager la té lolu soxla nañ ko parce que gis nañ né que ku joggé ka wala fenen ci Afrique ñew ci Sénégal lu mu ñëk wax moy waaw sen corniche bi musuma gis lolu nit ñi ñëpp di def sport et cetera donc sport dafa bok ci ñu ci suñu dundu wayé dañuy gis né toujours en amateur quoi fek am nañ ay pépites ay talents yu dey des fois dañuy dem États-Unis tek ki fofu bok fofu fek mu non na am yone ci Sénégal ñu leen di jappalé même suñu même sous sous fekonté né du jang profond dem di def ay études supérieures mais di jox leen base base bo xamantene au moins suñu génné ci métier de sport dinañ mëna def lénen dinañ mëna am ay compétences essentielles yo xamantene dinañ mëna dugg ci bay dinañ mëna dugg ci entrepreneuriat wala lénen non lolu vraiment lu rafet la té damay continuer di dem ci Cheikh Omar parce que Cheikh Omar mom tamit parcours bo xamantene ñu ko mëna bari wuñu ñu mëna def lolu bari wuñu té ñu xam que sax mën nañ ko def bari wuñu on dafa dem école jusqu'en 3e secondaire lycée jang bon élève pour des raisons personnelles émotionnelles familiales fortes mune day bay jang day dem ci lenen lolou ma nekone moyen pour mu défier autorité ay won lu mu xalat 3 ans après moro mami di dem bac mom tamit mune dama bëgg am sama bac parce que dofuma parce que ñi def ci école bi gënuñ ma ay peut-être djelna ben yoon bobu mën na ko djel fekk mu meuna passer examen bobu tamit mu inscrire au candidat libre deful seconde première terminale réviser inscrire aussi ben école paré bacam am bac bi lolou c'est un parcours atypique et exceptionnel waye ndaw Sénégal yu bari dañuy bayyi jang ci 3e ñom suñu xamone que si ñaari at yu passé mën nañ fexé bé déluat ci biir système bi mëna am avenir comme avenir bu baax bi nga tabax sa bop ndax ñang yow Cheikh Omar tay da nga bok ci conseil municipal da nga bok ci nit ñu am bat pour ñu mëna changer ni cette communauté di doxalé yow lan moy sa xalaat si walum éducation ak ñang ak passerelle bi ñu soxla tay pour ñu mëna jappalé ndaw yi même ñu amul bac ñu éggul bé 3e ñu mëna am ay compétences de base yo xamantene compétences yoyu dinañ tax ñu mëna autonome dal fexé liggéey sen bop am ben vie décente et cetera jërëjëf ci cadeau yi damay sargal suma ñaari sœur yi ñaari jigéen yi pour dire que goor baxna jigéen baxna tay ñom image biñu woné nañ ni c'est la femme qui nourrit le monde dañ ci ngoy rafetlu benen bi aussi ñu nek ay ndaw comme on dit aux zambiens la valeur n'a pas pour l'homme des années donc di remercier sama grand pape Jibril parce que nek na ku ma naw bokku na tay ci xar kanam yi nga xamni sénégalais yi ñu ngi koy gis ci télé yi ak ci écran yi ñu yé askan wi et surtout ñu bëri di gis seen bop ci mom man bokku na bu amé fans club man may président fans club Pape Jibril Fall alors benen bi aussi c'est laaj bi dafa ma bête parce que amna ben way kat bu don wax parce que je viens de loin je crois que c'est Cormeilles c'est vrai que situation sociale familiale de deuk banlieue c'était pas évident alors ñet atima bayyi bobu ndaw la xawma wala awma ko mu gindi
ñetti at yoyu danaka ci mbedd mi la doon nek presque mën na ni yar ñu mbedd amna su ben xarit bu ma cité touram ñu fondo après ci kasso bi sax la faato donc damay japp ni rek yalla mo ñu djubante rek wala mu dimbali ñu alors on s'est dit aussi suñu engagement waratul yam ci ñun kessé mais nan lañuy def ba ñoñu nek ci ndaw nek suñu ay morom wala amuñu sens ku leen dungé wala ku leen xëc donc man combat bob mu sa nek suma combat ci mom lay wéy donc lool nak motax en ma donné comme li chante djob don wax armez-vous de savoir jusqu'au dent donc amna fuñuy toll aussi am engagement mais da fay am likoy gungé nak moy il fallait mu nek défi personnel même biñu amé bac dem nañ université fac droit ba ci ñaarel at sax bayina danaka juroomi at yi jayna essence jayna boum xar parce que jeunesse du Sénégal dañu dégourdé alors il fallait ñu ñëwaat biñu jang aussi japon nañ ni war nañu gëna yok suñu xam xam té jang du wess et engagement bobu momu yu mëne conseil municipal sama commune nek conseil départemental mais après je me suis dit tay il faut ndaw ñu bok ci instance de décision et di dogalal sen bop parce que bu fa ndaw yi togué dinañ mëna jubanti dinañ mëna gaganti yu bëri ndax ci jafé jafé biñu am moy ndaw ñi kenn du len bolé ci fiñuy nasé ak fañuy noccé et su nekké ndaw nga nga bëgg bok ak mag ñi ci courel yu mel non il faut nga am lo indalé donc après lool motax ma def formation lu jëm ci ingénierie territoriale management public ngir lepp lu jëm ci gox ak goxati ñu mën ko xam ensuite loolu mo ñu pousse aussi ñu gis ni ñun am nañ jant am nañ gantax gi ñu yalla may té tay aduna bi tay ci développement durable loolu mo taxone tamit ñu dem gestu bu jëm ci wal développement durable aussi tay numérique bi dafa nek lo xamni économie numérique tay bo xasse ba am ben compétence fi ki nek États-Unis ki nek Silicon Valley am nga sens nga dem ci donc motax man dama japp ni liñu soxla moy ñu am projet de société ci suñu formation il faut pas que ñu am formation classique wala formation taillée sur mesure mais mu nek en fonction de nos besoins parce que warul nek projet immédiat mais projet à long terme ban société lañ bëgg yan ñaata aminata lañ wara am ñaata baykat lañ wara am ñaata ñu jëm ci walu pétrole ñaata lañ wara am lu jëm ci walu compétence nan lañuy def ba aduna bi fimu tollu ci walu compétition ñu fexé ba jël suñu ndaw def len ci au cœur de nos politiques publiques malheureusement man dama japp ni dañu japp ni ndaw ñi charge lañ alors que pour man ndaw ñi solution la japp na ni suñu richesse du pétrole du diamant mais suñu ndaw mom moy suñu richesse maintenant j'ai l'habitude de dire xalé yi ku leen juroon yeureum leen mais bala nga nan nam day fekk ni yaangi fa loolu suñu ben mam xaar me ma jaga doon wax donc même buñu joggé sax di waxu financement c'est juste pour ben situation bu ex pour ñu atténuer mais projet de société bi nga wara am moy nga projeté ou dans 10 ans mu nek dans le long terme parce que suba war nañ soxla ay ingénieur suba war nañ soxla ay agronome yu bari war nañ soxla ndaw bi am autonomie maintenant aussi ndaw bi pour mu entreprendre wala pour mu meunal bopam il faut mu am qualification et li ngay wax ci sunu circuit ñang dañuy faté ñi nga xamni moy échec scolaire man am na né mën na né échec scolaire mais ça m'a pas permis ma bayé ko donc dal japp na ni war nañu gëna accentuer sur la formation sur la qualification et la prise en compte des jeunes dans politique publique. Absolument. Et ce que je pense, c'est solo, c'est-à-dire que l'éducation, nous pour Tay, l'éducation à compétences nous York d'Awi Tay, moi équipe l'en pour nous nous mener tabac Sénégal bini bug. York l'en outils barrières, des outils barrières, ils se trouvent notamment dans l'agriculture, ils se trouvent dans des industries, ils se trouvent dans la pêche, etc., etc., dans la logistique, dans le numérique, York bani. Maïdem Nakleri, York si team Word 98, les nous jouons si PDF. PDF yo egg sage nga PDF deg nga li suñu entrepreneur militant activiste di wax ci walum jang xam am mën mën pour mëna dugg ci société bi nek fofu autonome yo journaliste nga tay kenn dotu le présenter am jot nga am ay taxaway yo xamantene neex na ndawi neex na sénégalais parce que da ngay wax deug da ngay wax lu am solo te da ngay wax si yaru bo xamantene ñu bari dañ koy deglu bëgg ko légui da nga bok si ndaw yi sénégal yo xamantene sen baati ñoo gëna am
am impact tay donc comme ambassadeur quelque part am nga ñu bari dañ lay wo ñu bari dañ bëgg xam ñu bari dañ bëgg waxtaan ak yow té yow tamit si ñu bari ñooñu da ngay wax et da ngay promouvoir ndaw yi ngay gis chaque jour ñu def lu da fait di ligué lu da fait amna ñetti ndaw certainement xamal nga si quelques signaux mais dégg nga cette histoire yow lan nga si xalat et lan moy sa analyse tay pour nous mëna changer conditions d'apprentissage et qu'on passe de un élève sur un jeune sur deux scolarisé à deux jeunes sur deux outillés pour vivre jërëjëf Sobel di nuyu ndaw yi comme ni nga waxé yi ma bokal plateau bi ñom ñep ñu nekk ay modèle de réussite kenn ku ci nekk ci sa domaine nga percé ak obstacle yi ba nekk une réalité aujourd'hui nga xamanteni c'était pas du tout évident dama wax souvent né ñun ñep bo xol chacun dans son domaine souvent mën nañu nekk ben échappé solitaire souvent mën nañu nekk aussi ben cache misère malheureusement da ngay réussir ñu ñëw par exemple je donne l'exemple de Aminata ñu ñëw on met la lumière sur Aminata mais derrière Aminata ngay gis né sur sa génération ñi mu bokkodol école ñi mu jangandol deux ñëw ci réussir sur 100 ou wala du ko mat ku jël exemple man tay yi suma jëlé suma exemple sama cursus on en a perdu énormément de talents ñu mënon jang ñu bëggone mais pour des raisons comme Cheikh Oumar expliqué légui mujju ñu égalé sen jang soit pour des raisons de personnel familial wala soit amulo sax lo xamanteni moy tax nga jang matériel bi nga soxla pour jang moi ça je l'ai vécu je l'ai vu de très près donc motax il faut ñu xamné réew bu aspirer au développement il faut que l'éducation soit un droit constitutionnel c'est un crime xalé juddu ci dëkk té mënul jang c'est un crime aussi ñu am système bo xamanteni dafa exclusionniste moy système bo xamanteni même le jargon qu'on utilise il est violent dakk nañ ko lañuy wax cartouché na lañuy wax dakk nañ ko échoué xalé bu ndaw nga né ko échoué nga tu as échoué c'est-à-dire que koku ñak nga ko système bi ñak nako wala tu es dernier nga xamanteni yow pour ñu récupérer la après njambarté bu mak ngay wone taxaway bu mak ngay wala nga am coup de chance ben opportunité nga saisir ko mais combien n'ont pas eu cette opportunité combien n'ont pas eu cette chance nous sommes à la limite des privilégiés Aminata djuduna fekk na papam am tol fekk na nangam Ouleymata amna possibilité dem France jangi Cheikh Oumar xeyna c'était difficile mais nekone ci cadre bo xamanteni xeyna permettre nako mu amat chance par ci par là mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas cette chance là parce que ça aussi franchement il faut le dire et sans désolé c'est encore une école qui n'a pas été conçue par nous et pour nous donc il fallait une école qui puisse être un tremplin parce que bob c'était avec le vent de décolonisation il fallait que mu am ño xamanteni ñom ñoy égalé liguey bi nga xam cette administration de commandement bi nga xamanteni dañ lay jangal dañuy jël par ci par là alors que chez eux de l'autre côté c'est inacceptable nga baña jang ici c'est encore normal nga baña jang c'est encore normal nga judd au Sénégal do am s'il y a des lois même s'il y a des traités oui c'est encore normal nga judd au Sénégal tu n'as même pas un certificat d'état civil c'est encore un luxe dans beaucoup de coins du Sénégal état civil déclarer son enfant à la naissance mais il perd énormément de choses s'il n'est pas déclaré donc la difficulté que nous avons moi une école qui est en phase avec nos aspirations avec nos préoccupations sur le long terme et quand on veut vivre en république il nous faut des promesses chaque génération doit faire une promesse à la génération qui vient c'est ça la promesse républicaine et dans cette promesse là qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour que la génération qui vient puisse vivre mieux cette promesse n'a pas été tenue depuis 60 ans et c'est pourquoi aujourd'hui on constate l'immigration à grande échelle
on constate ce taux de décrochage scolaire qui est extraordinaire, taux de déperdition scolaire. Le chômage a atteint des proportions terribles. Et finalement, l'ignorance du chômage, ça n'est que le chômage. Parce que tout le monde travaille. Parce que vous faites qu'on est d'accord sur les critères UBIT, Bureau international du travail. Et chômeur, celui qui est en âge de travailler, qui a une qualification professionnelle, et qui est effectivement à la recherche de travail. Mais c'est difficile de réunir ces trois critères qui gênent nous Sénégalais. Difficilement. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a une imbrication, tout se tient. C'est un tissu. Donc, parce que c'est un processus. Mais quand on parle de l'emploi, mais emploi, je veux toujours nous parler d'un emploi décent, qui préserve la dignité de l'individu. Mais si vous avez ligué, je travaille, mais j'ai un problème par rapport au transport public. J'ai un problème par rapport au logement. J'ai un problème par rapport à la santé. J'ai un problème par rapport à l'éducation, parce que l'éducation aujourd'hui est totalement privatisée. Donc finalement, toutes ces charges-là rapportées à mon salaire, je gagne deux fois moins que ce que je dois dépenser. J'ai un emploi. On ne vit pas, on survit. J'ai un emploi, mais qui me maintient dans la pauvreté. Et finalement, donc, il faut une analyse globale. Il faut prendre date avec les générations futures. On ne décrète pas la fin du chômage. D'une quoi est secrété. C'est l'aboutissement d'un processus. Si le président du Sénégal aujourd'hui, avec ces problèmes-là, affirme à la télévision que sur 3 ans, il va régler le problème du chômage, c'est pas exact, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu jettes les bases d'une société industrialisée, la production au niveau de l'agriculture, la pêche, l'élevage, on produit en masse, on essaie d'avoir un tissu industriel conséquent, et l'économie numérique vient après pour aider tous ces jeunes qui sont dans les start-up et autres de pouvoir porter cette production-là pour toucher le maximum de clients, de fournisseurs qui sont un peu partout dans le monde. Donc, et après, on verra ce que ça va donner d'ici 15 ans, d'ici 20 ans. Mais on ne décrète pas certaines choses. Il faut des solutions qui soient fortes et qui soient durable. Entendues, durables. Durables. À faire rapide, yo-yo. Durable. Et entrepreneuriat. Enclenchement, ou construction, il faut que nous le temps. Sobel, on ne réinvente pas la roue. La recette en matière de développement économique et social harmonieux, elle est connue. Cette recette, elle est connue.